Samedi 13 août 2022 s'est tenue l'Assemblée générale ordinaire de l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier, vous qui êtes venu, malgré les occupations de chacun, malgré vos occupations respectives, vous êtes venu pour participer à l'Assemblée générale 2022 de notre association, de votre association. En tout cas, je voudrais déjà vous remercier pour cela. Normalement, on avait un peu plus d'une vingtaine de confirmations. On peut être mêlé à 10 heures. À 11 h, mais on va pas attendre ceux qui vont nous prendre en cours. Voilà. On va commencer. Et je voudrais encore une fois vous dire merci pour votre participation. Alors, il s'agit d'une assemblée générale ordinaire. Normalement, dans notre test, chaque année, on devrait avoir une assemblée générale. Et c'est celle de 2022 que nous sommes en train de tenir. Donc, pour la simple raison que vous remarquez, il est difficile de réunir des ingénieurs. des ingénieurs. Et donc, malgré ça, on a tenu à ce qu'il y ait une assemblée générale 2022. Et donc, c'est ça que je vous ai convoqué ce matin. Normalement, on devait tenir dans le timing jusqu'à 13 heures ou plus tard. On pourra terminer. L'ordre du jour, c'est déjà la présentation du bilan moral qui sera fait par moi-même. Ensuite, le bilan financier sera présenté par la trésorière ici présente. Et après, on va passer à des échanges sur les perspectives de notre association, les perspectives jusqu'en 2022 et les perspectives également pour les années à venir. Et après, nous allons terminer par un petit cocktail dans pour. Donc voilà l'ordre du jour de votre assemblée générale. Bonsoir à tous, je suis Delta Savant, je suis trésorière au sein de l'OEC. Et donc aujourd'hui, là, consiste à faire le bilan financier des trois dernières institutions de l'eau actuelle. Et aussi, nous avons eu à présenter, à faire un point des dépenses effectuées durant ces trois années.